Bonjour tout le monde, voici Andrew, je suis en plein cœur de Paris, niveau des Halles, et je fais une vidéo en réponse à j'ai oublié le mot, quelqu'un sur YouTube, un spectateur YouTube, voilà, je l'ai trouvé. Forcément, je viens de me réveiller et je ne suis pas encore en mode parler français. En fait, qui m'a balancé un beau défi suite à ma vidéo sur le thé gratuit, le Free Tea Challenge à Londres, en disant qu'à Paris, ce serait un TC30 que je pouvais avoir gratuit. Donc, il ne faut pas me lancer des défis comme ça, parce que la première chose que je dois faire, c'est de sortir ce matin, ce midi en fait, pour faire le challenge, pour montrer que c'est possible à Paris ou ailleurs, peu importe où on est, d'avoir un tasse de thé gratuit ou un café gratuit, juste en séduisant une personne, en étant sympa, en faisant ce que j'avais préconisé de faire dans ma dernière vidéo. Donc je ne vais pas vous laisser attendre plus, je vais aller dans un café genre un Starbucks où c'est du self-service et je vais faire exactement comme je fais à Londres, sauf que je vais parler français bien sûr cette fois-ci parce que je suis à Paris. On va voir ce que ça donne et c'est tout de suite sur Morning Kiss. On vous sert? Non? C'est bon? Ouais, c'est bon. On vous sert? Are you being served? On vous sert? C'est bon? Ouais? Non? Je sais pas. Bonjour, ça va bien? Comment ça va? Tu vas voir. Ah, c'est Ida, je connais bien. Elle est sympa. Yann. Moi aussi, je suis sympa. Ah ouais? Ouais. Dis-moi, pourquoi? Non, mais j'imagine bien. En fait, je voulais juste prendre un thé vert en protéine. Juste un petit, s'il vous plaît, Yann. Vous êtes parisien? Ouais. Vous êtes parisien? Je suis brésilien. Comment? Brésilien. Brésilien? Ah oui, je n'aurais pas, je pensais que c'était parisien. Bah, c'est pour ça que vous êtes sympa alors, vous êtes brésilien. Oui, tous les brésiliens sont sympas. Pas tous, mais ceux que je connais, ouais, ouais, je connais deux, trois personnes. Pourquoi vous êtes à Paris alors? Pourquoi vous êtes à Paris? Pourquoi Paris? Parce qu'il y a ma femme française. Ah ouais? Ouais. Ah oui, tu es marié à une française? À une parisienne? Là-bas. Hein? À une parisienne? Oui. Elle est sympa? Ouais, elle est sympa. Ah, c'est important. Chalienne. Ah, juste un thé vert. Un thé vert, que ça? Ouais, est-ce que ça? Okay. Merci. Sur place ou... emporté, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, je vous offre le thé. Sérieux? Ouais. Ah, c'est sympa. Je vous serre la main. Merci, Yann. Merci. Obrigado. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est bien? Bien. Ah, c'est le seul mot que je connais en portugais, quoi. C'est le seul... Moi, je suis anglais, en fait. Ah, vous êtes anglais? Ça se voit pas? Non. Ah, c'est vrai? Comment? Ça fait un an que je suis ici en fait. Ouais, ouais. Vous êtes là depuis combien de temps? Deux ans. Deux ans? Ah, vous parlez mieux français que moi. Ah, mais c'est charmant l'accent en fait. Tout le monde me dit, c'est hyper charmant. Je sais que les gens, ils ont dit que normalement, je parle et chante quand je parle. Ah, ouais, c'est vrai. Même les Brésiliens. C'est toujours comme ça. C'est comme les Africains, les Brésiliens, les Latinos en général, quoi, je trouve. C'est cool. Vous aurez le petit truc pour ne pas brûler les mains aussi pour les coups. Merci. Merci, c'est sympa. Monsieur Lam, bonjour, vous avez une caisse de livre? C'est un latte. Il n'y a pas de soucis. En fait, c'est un latte et un cappuccino. Je suis un latte. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde aujourd'hui. C'est toujours comme ça? Ouais, c'est toujours comme ça. Ah, j'imagine. Courage, hein. Ça doit être difficile de travailler ici, franchement, avec du monde et tout. Ah. Ça fait deux ans que tu travailles ici en même temps? Un mois. Ah ouais, ça se passe bien? Ah. T'aimes bien? Tu fais des études à côté? Ouais. Tu fais des études à côté? Ah, juste ici, plein de temps. J'en ai un. Il y a deux lattés. Voilà. Ah,
Yann, merci. Obrigado. À la prochaine. Ciao, ciao. Bonne journée. Bye. Alors, bonjour tout le monde. Le voilà, le thé gratuit. Comme quoi, ça peut marcher partout. Il y a certains qui vont dire que j'avais de la chance de tomber sur un Brésilien. Mais en même temps, j'ai déjà été dans ce café une fois. Et je sais qu'ils sont sympas, tous là-bas. Tout le monde est sympa, même si j'ai fait une blague sur les Parisiens qui n'étaient pas sympas. C'est juste un cliché, ça rigolait. Donc pour décomposer ça, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait à Londres. Donc je vous fais référence à ma vidéo d'il y a quelques jours où j'ai fait la même expérience à Londres pour savoir comment j'ai fait. Il faut juste casser le schéma habituel d'une conversation, de porter un intérêt particulier à la personne, de vraiment être quelqu'un de sympa soi-même et vraiment d'être une personne humaine plutôt que juste un client froid sans intérêt. Donc j'ai porté un intérêt à Yann, mon serveur brésilien, et si tu regardes Yann, merci pour l'été, je te rends le service si jamais on se croise dans un bar. Et franchement, c'est la première fois que je l'ai vu, j'étais juste un mec sympa qui portait un intérêt au monsieur plutôt qu'à son travail. Ça continue à parler même après qu'il m'a offert le thé gratuit. Parce que je suis allé pour être sympa, pas juste pour avoir un thé gratuit, même si c'était le challenge de la journée. Mais comme quoi, il faut être sympa dans la vie de tous les jours. Et si on l'est, on a de petits avantages et tout, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait pour être une personne sympa, que ça peut aider avec la sélection dans toutes les sphères. Vous aurez remarqué aussi que c'était un serveur, pas une serveuse cette fois-ci. Donc la séduction, ça marche sur les hommes et sur les femmes. Là, c'est assez intéressant à voir. Il y en a beaucoup qui diraient que non, il faut attendre qu'une femme est là. Non, ça peut marcher sur toutes les personnes, de tous les âges. Je vous conseille d'y aller, d'essayer. Et cheers à tout le monde. Et, n'hésitez surtout pas à cliquer... sur les deux côtés de l'écran pour surtout souscrire, vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours, ainsi que de parcourir notre site web pour vous renseigner sur la formation, les coachings qu'on offre et de parcourir d'autres vidéos. Je vous dis à tout de suite sur mon équipe. Ciao.